mais c'est super alors! C'est le grand jour? Oui, j'ai hâte. En plus, j'ai eu une super idée pour un plat. Une tourte aux pommes de terre nouvelles avec une petite salade verte. Tu m'en diras tant. Bon, bah écoute, il faut récolter maintenant, 3 mois et demi après la plantation. Pour savoir si tu peux les récolter, il faut que les pommes de terre aient à peu près la taille d'un œuf. On commence? Tu retires un petit peu de terre autour, vas-y, tu peux en faire un si tu veux. Il va falloir juste tirer le plant de pommes de terre. Attention. Ah, regarde. Oh là là. Il y en a plein là. Oui, regarde. Allez, vas-y, hop. Waouh, génial. Oh, elle est trop belle celle-là. Super. Oh là là. Il y en a plein. Non mais c'est super. Mais il y en a partout, elle se cache partout. Attention. Si vous trouvez des pommes de terre de couleur verte, ne les consommez surtout pas. Cela signifie qu'elles ont pris la lumière et elles sont impropres à la consommation. Alors, tu sais que parfois, ça arrive qu'il y en ait encore dans le fond. Alors, oh bah tiens, oh bah, regarde, tu vois. Voilà, donc simplement en soulevant la terre, comme ça, on peut en trouver. Et si je veux qu'elle soit plus grosse, c'est possible? Oui, alors il suffit simplement de les laisser pousser jusqu'à ce que ça fane. Et même si les feuilles sont complètement desséchées, le tubercule continue à pousser. Le tubercule ne grossit plus, la peau va s'épaissir. Tu peux simplement les récolter, tu peux les conserver à peu près 2-3 mois. C'est ce qu'on appelle des pommes de terre de conservation. Bah, bien vu, génial! Alors ça, c'est top, ça! Ah ben ouais! Et celles-ci, elles sont rouges, alors? Alors, oui. Cette variété, tu peux l'utiliser pour tout. Celle-là? Alors ça, c'est une variété jaune. Et cette variété, eh bien, tu peux faire des pommes de terre sautées, tu peux faire de la salade avec. Tu vas voir, c'est délicieux. C'est super bon. C'est trop génial d'avoir ses propres pommes de terre. Tu te rends compte? Alors on a pu faire une salade et une tourte. Tu peux faire plein de plats avec. Et c'est super bon.